Dans le domaine des mathématiques, aujourd'hui, je vais vous demander de mettre la table, les enfants. C'est bizarre, hein? On va compléter des collections. Alors, vous allez mettre 8 doudous ou 8 objets qui vont faire comme si c'était des personnes sur la table. Vous allez leur distribuer des assiettes. Alors, les adultes, on peut mettre, par exemple, 4 assiettes pour 4 doudous. On va mettre 5 fourchettes, 6 couteaux, 3 verres, 2 petites cuillères. Et vous allez devoir compléter ces collections pour aller jusqu'au nombre de doudous que vous avez installés. Par exemple, si vous en avez installé 8 et que vous avez mis 3 assiettes, il va falloir rajouter un certain nombre d'assiettes pour compléter la collection. On travaille au début, les parents, les adultes, objet par objet. On ajoute d'abord ce qu'il faut d'assiettes. Donc, à votre enfant de mémoriser le nombre qu'il doit apporter d'assiettes. S'il en a déjà 3, combien il complète pour aller jusqu'à 8, c'est déjà pas évident, et d'aller les chercher. Donc il y a aussi la mémorisation du nombre. Une fois que ça marche bien avec un objet, on peut essayer d'aller faire chercher 2 objets d'un coup. Par exemple, il y a 3 petites cuillères, donc il faudra en prendre 6, enfin 5 s'il y en a 8 invités. S'il manque des couteaux, combien il manque de couteaux, on va chercher en même temps les couteaux et les petites cuillères. Donc là, on travaille sur compléter des collections. On peut inviter 8 doudous, 9 doudous ou jusqu'à 10 doudous pour compléter des collections jusqu'à 10.